Pardonnez, monsieur. Monsieur. Monsieur, pardonnez, pardonnez. S'il vous plaît, Diane, photo. Photo. Je sais, mais prends les photos. Après 10 ans de séparation, 10 ans de souffrance, elle va enfin serrer les bras de son époux. Maman. Ouvrir la porte que vraiment. Alors, fidèles auditeurs d'Ouvaja Média, nous sommes encore là, maintenant, sinon, il vient à bout. Vient de descendre, elle revient d'entrer dans le pavillon présidentiel. Voilà un peu. Voilà. Le président. La fille nous descend. La fille nous descend qui vient d'arriver. Mais restez un peu éloigné. Restez un peu éloigné. On va prendre les. Mon capitaine. Hein? Nationaliste, il faut les repousser un peu. Il faut faire doucement. Il n'a pas rentré, il faut pousser. Mais doucement. Allez, le cache le voilà. Nous sommes vaccinés. Nous sommes venus dans une voie descriptive. Parce que nous avons 10 ans que nous sommes quittés dans la douleur, dans les tirs de combattants. Nous avons fait la prison, nous, en Côte d'Ivoire. Lui, pendant 10 bonnes années à l'étranger. Toute la Côte d'Ivoire était devenue bouleversée par son absence. Et je crois que son retour triomphal parce qu'il vient totalement acquitté. Ce retour-là conduit pour le pays une grosse opportunité pour une réconciliation nationale inclusive, franche et sincère. Est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est en marche? Merci, merci. Monsieur le Président. La réconciliation est en marche.
et on estime que la présence du président Gbagbo va donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation. Comme vous l'avez promis, est-ce que vous êtes prêt à libérer le FMI pour le Gbagbo? Pour le moment, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'accueil. La question de l'unité du FMI, c'est une question de famille. Tout à fait. Nous en parlerons lorsque nous nous aurons demandé les nouvelles et que nous lui aurons donné les nouvelles d'ici en Côte d'Ivoire. Merci, okay, merci, merci. 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 Couvrez. Bon, allez avec lui maintenant. Oui. Il va mettre pas. Ouais, monsieur Vadia. Je vais prendre les pieds, ma main. Attends. Dans ton effectif, là. Ouais, négocier mon retour depuis deux jours. Là. Non, il y a ici plus de gens. Chien. Tiens, mais reviens, mais n'est pas venu. Je vais te montrer. Tu vas pas regarder. Comme ça. Effectivement, bienvenue à tous. Bienvenue sur Ovaja Plaisir. Nous sommes présentement en train de vous regarder ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous souhaitons le présentement l'arrivée de Milan, le président, voilà, l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, voilà, nous avons l'arrivée. Ok, l'ambiance est en ce moment, voilà, l'ambiance est tout simplement waouh. C'est génial, la atmosphère, tous les journalistes sont là, nous sommes présentement ici. Tous les journalistes sont remontés, l'atmosphère ici est trop, l'émotion est grande. Voilà, la revoie est incontournable pour tout le monde, que vous avez avec nous. Comment 15h 15h.
Donc on vous a dit, la presse de l'autre côté. Bah, ils doivent parler. C'est comme ça, on n'a pas vu tout le monde. Faut lancer ta question. S'il s'arrête, c'est pour ça. Toi, tu les regardes. Prends tes images, mon ami, pour ne revoir personne. Prends tes images. Il va maintenant au travail. Alors, mis internaute, nous arrivons là. L'arrivée, nous assistons à l'arrivée du PDC. Du PDC. Venez là devant. On y va, Je recule. On avance seulement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand tu arrives au bout, tu casses sur la droite. C'est plein de fois comme ça. On casse sur la droite. Ouais, on y va. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu attends trop longtemps. Non, arrivons devant le pavillon. Devant le palais, c'est. Là-bas, c'est pas évident. C'est pas évident. Ici, là, c'est pas évident. C'est pas évident. Allons-y. C'est mieux parce que là-bas, c'est compliqué. Non, non, en bas là-bas. Allons-y. Monsieur Guy Kabé, après. Allons-y, on y va. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Venez, calmez-vous, hein. Nous vous avions promis que nous ferions régulièrement des points de presse pour vous donner l'évolution de la situation. Le président va atterrir au hôpital à 16h15. Mais nous avons des sérieuses inquiétudes en ce qui concerne sa sécurité. Parce que presque dans l'entrée de l'aéroport, on entend des détonations. Jusque-là, depuis ce matin, jusqu'à ce matin, le gouvernement et nous avions travaillé en bonne intelligence. Et nous sommes des partenaires. Je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a signifié aucun acte administratif interdisant la sortie ou le rassemblement des personnes. Ni le ministre de l'Intérieur, ni le préfet de police, non pas le préfet de police, le préfet de la ville d'Abidjan. Ce sont ces personnes qui ont la capacité juridique, la compétence pour prendre des actes pour interdire une manifestation en Côte d'Ivoire. Donc nous ne savons pas quel est le cadre juridique dans lequel se déploient la police et les forces de l'ordre actuellement. Et comme le président arrive, avec des détonations autour de l'aéroport, nous nous inquiétons quant à sa sécurité. C'est pourquoi nous voulons appeler ici le gouvernement, avec qui nous sommes partenaires dans ce processus, au nom de la paix et de la réconciliation que les Ivoiriens attendent, de prendre toutes les dispositions pour arrêter cela, afin que le président Laurent Gbagbo, à qui ont offert le pavillon